se mettre à pleurer, oui. And you have to be there for them. Be very compassionate. Il faut être là avec eux, il faut avoir la compassion, il faut les entourer. Oui. En fait, c'est comme dans toute thérapie. Moi, je ne suis pas psychothérapeute, je suis coach. J'ai suivi une formation de coach, de la PNL. On apprend tous, et on le sait, qu'un psychologue, un coach, un thérapeute, dans sa déontologie, ne doit pas laisser un client, ne doit pas tout faire n'importe quoi. Il y a une déontologie. Et cette déontologie est respectée dans ce même processus. Comme dans toutes les autres psychothérapies, cette déontologie est respectée. Hein? In my training classes, I spend a lot of time teaching my students how to work with their clients. And I use a lot of case studies to teach them. Dans ces classes avec ces étudiants, donc, ils expliquent entre autres ce genre de cas où ils regardent ensemble comment réagir vis-à-vis de ses clients aussi pour pouvoir avoir la bonne réaction au bon moment, évidemment. Reverse speech is very direct and it doesn't hold any secrets. La théorie du langage inversé est quelque chose de très direct. Et avec cette théorie, il n'y a plus de secrets en fait. Ça dévoile tous les secrets. And some people aren't ready for it. Et certaines personnes ne sont pas prêtes à l'entendre. And that's the reason why I've been doing this for 24 years and it's still not well known, because people are very afraid. Donc c'est ce qui fait aussi que ça fait 24 ans qu'il s'occupe de ça, mais il sait que c'est un sujet qui fait peur. Imaginez, vous sortez à l'extérieur et vous dites on peut lire dans les pensées de tous les gens. Lui, c'est sa bataille, c'est d'arriver à convaincre des gens à développer cette théorie parce que ça peut être un super outil, mais ça peut être également un outil très dangereux. On l'aura compris. Oui, bien sûr. Là, on l'aura compris. Comme beaucoup de domaines, de toute façon. Mais ça peut être une thérapie très rapide, beaucoup plus qu'une psychanalyse freudienne. It can be very, very fast therapy, more than psychotherapy. Very fast. C'est très rapide. I see amazing changes working with my clients. I see people's entire lives. Il a vu beaucoup de changements dans ses clients et des gens qui ont carrément changé de vie grâce à cette thérapie. It is the quickest way I know of to access the unconscious mind. C'est la thérapie la plus rapide qu'ils connaissent qui a accès à l'esprit inconscient. Okay. Est-ce que les gens qui viennent voir monsieur sont bien conscients qu'ils vont être vraiment face à eux-mêmes? When people come to you for the first time, do they know what it will happen, what you will do? And oh yes, most people. Well, yeah, yes, most people know what I'm doing. That where they're coming to me to run their tapes in reverse, but they probably aren't prepared for the intensity of the experience. Alors, et bien entendu, les gens qui viennent vers lui pour cette thérapie. Donc, à la base. Ils le savent, ce n'est pas la personne vient, enfin, non, les gens savent qu'ils sont enregistrés, que cette thérapie, quand ils vont vers eux, c'est qu'ils ont choisi cette thérapie. En revanche, parfois les gens ne sont pas tout à fait aptes au résultat de cette thérapie. Most of my clients come to me through word of mouth. They've been referred by someone else who's been through the process. La plupart de ces clients, comme beaucoup, probablement, c'est de la publicité de bouche à oreille. Donc il gagne plus d'argent, c'est ça? The problem is to solve too fast, you don't have no clients anymore. I have that problem. C'est en effet le problème client. C'est en effet le client, au bout de deux séances, il est parti. I'm constantly looking for new clients. But I guess this therapy is the most honest that we can find. I believe that to be the case. That's what I feel. Yeah. Ce que je lui dis, ce que je ressens, c'est probablement la thérapie la plus honnête qui existe dans le sens où la personne a été aidée et on ne cherche pas, comme certains charlatans pourraient le faire, à tirer en longueur pour absolument gagner de l'argent. Donc c'est presque une vocation de devoir faire ça. Parce qu'il est vrai que le client, vous ne tenez pas 15 séances. It's very rewarding for me to see my clients' lives change, as well as the students I've trained changing other people's lives. I find that very rewarding. Donc, ce qui est valorisant pour lui, ce qui est le plus valorisant, c'est de voir que tous ces gens changent grâce à la technique qu'il a développée, et de voir que ces étudiants, qui eux-mêmes après lui, donc deuxième génération, mettent en pratique cette thérapie, reviennent avec les mêmes résultats. C'est valorisant.
vous renvoyez les gens à la maison, après 2-3 séances, dans les meilleurs des cas, bien sûr, dans tous les cas, ils ont changé leur vie. C'est valorisant. Est-ce que ça peut carrément bouleverser la vie professionnelle, la vie affective de quelqu'un, de façon... Can it radically change the life of one person? It can change the whole professional life. The whole life can change. Yes. Absolutely. Yes. Yes. It's a very powerful therapy. It's coming in at a level that hypnosis doesn't get to. Ça vient dans un niveau où l'hypnose n'arrive pas à pénétrer. Donc ça va beaucoup plus profondément que l'hypnose. Normal hypnosis. La hypnose classique. Hein. Ouais. Il n'a pas les meilleurs résultats justement avec hypnose, avec ce système, les deux confondus. Do you see better results with hypnose and in combination with this theory and therapy? Well, I use hypnosis when I'm doing therapy. C'est ce qu'il fait. Il fait l'usage de l'hypnose pour cette thérapie. À un moment donné, oui, pour entrer dans... C'est de l'hypnose directionnelle. It's to do with the induction that I'm using when I put my client under trance. Donc ça lui donne déjà des indices. Pour pouvoir mettre sa personne sous hypnose. Il sait dans quelle direction il doit aller, il va directement droit au but. I'm specifically asking to access the part of the mind where metaphors reside. En fait, c'est grâce à cette technique, il peut directement avoir la clé qui accède à la métaphore dont il est question. Donc il n'a pas à chercher tout le cerveau, puisqu'il a entendu la métaphore et qu'il a entendu ce qu'est la personne. Dans son hypnose, il se concentre sur ce point spécifique. Il a la clé en fait. Cette technique lui donne la clé. You have a key, in fact. You have a key. Correct. A key to come in. Correct. Yes. 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 Moi, je voudrais juste vous demander une question pratique. C'est que on a entendu Grégory Le Marchal, entre autres. Hein, je l'ai mis parce que je me souviens. En fait, il chantait la chanson de quelqu'un. Oui. Est-ce que lui, c'est son message à lui ou c'est son message à la fin de... Voilà, j'ai l'exemple ici. Je me suis posé la même question pour que ce soit réaliste. En effet, ce message, on l'entend quand Balavoine le chante aussi. Donc, ce n'est pas un message de Grégory Le Marchal. C'est un message qui est textuellement exactement le même dans la version de Daniel Balavoine. Mais comme Grégory Le Marchal la chante tellement bien, prononcée tellement bien comme Daniel Balavoine, nous entendons la même chose dans les deux versions. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est donc ce alors, qui... alors, juste pour finir, donc c'est celui qui a écrit les paroles qui envoie ce message-là. Je vais vous l'exprimer différemment. Oui. C'est parce que Grégory Le Marchal a imiter exactement de la même façon les paroles de l'un qu'il arrivait à dire la même chose. Pourquoi ? Ce dont on n'a pas évoqué ici, c'est ce qui fait que le message est audible à l'envers, c'est notre façon de prononcer les mots. Alors, la façon, selon nos émotions, nous parlons à chaque fois différemment. Nous prononçons parfois les mots différemment. Quand nous avons peur, nous avons tendance à bégayer, nous avons tendance à exprimer les mots différemment, à peut-être avaler parfois des syllabes. Pourquoi ? C'est intéressant parce qu'à l'envers, on comprend pourquoi. Dans la mesure où vous dites quelque chose avec une intonation particulière et que je la répète de la même façon, avec la même vitesse, vous entendrez la même chose parce que je vous ai imité de la même façon. En revanche, en fonction de vos émotions, nos paroles sortent différemment de notre bouche et c'est là où le processus se met en route. C'est pour ça que nous avons... Parce que l'inconscient, justement, maîtrise nos émotions. Alors, c'est clair. I explain how it works because it's a question of pronunciation and with our feelings we speak different, right? Yes. Different way, and in this vision of different way speaking, we can hear other messages. Right. Because the question was, we heard the song that was sung by another one, and the question was, do we hear the same? And I said yes, because the younger guy sung exactly the same with exactly the same tone. If it sounds exactly the same. That's what I thought. Right. But sometimes two people can say the same sentence, two different people, and you'll get different reverses. Say it differently. Donc c'est donc il confirme ce que je dis. Parfois on peut donner la même phrase à tout le monde, et si chaque personne dit la même phrase indépendamment, on pourrait entendre chez chacun des choses différentes parce que votre façon de prononcer est différente. Vous savez ces fameux lapsus révélateurs, en fait. Vous pouvez y penser à ça aussi, hein, ces fameux lapsus révélateurs. Hein, pourquoi parfois bégaye-t-on, pourquoi parfois on mâche nos mots.
parce qu'il y a une émotion qui est liée à ça. Et c'est ce moment spécifique-là qui est probablement à l'envers. Donc, dans la mesure où nous imitons exactement la même chose qu'un autre, vous imiterez le même son à l'envers. Mais à partir du moment où c'est vous, votre fort intérieur, votre vous, votre propre esprit, ce sera chez tout le monde différent. Okay, all right. I'm going to play an example, shall we? Yes, French or English? Well, I'm going to play an example that shows how the reversals tell me how to change the metaphor. Okay. Alors, il va vous passer des exemples concrets de comment changer quelqu'un grâce à sa métaphore. Okay. This is an example of a businessman who's having financial difficulties. Bon, ça, c'est l'exemple d'un homme d'affaires qui avait des difficultés financières. And when I did his first tape, he said he had a devil living in him. Dans sa première cassette, on pouvait entendre à l'envers qu'il avait le démon en lui. Now, devil is a metaphor for overwhelming emotions that are crippling us. Donc, le démon est souvent la métaphore pour des émotions shutting us down. Des émotions paralysées. Voilà, c'est ça. Oui, d'accord. Okay. All right. So he's talking forwards. He says, maybe I asked him, how do we get rid of this devil? And he said, maybe I should make some new pamphlets. So anyway. Donc la question c'est comment faire pour se débarrasser de ce démon. Et la réponse était, il faut peut-être que je fasse d'autres catalogues. So here it is forwards. À l'endroit. Two things. I don't know how much information you get to put in the pamphlet. And whether to have some information back to send to them. There's two ways I can go. It depends what this looks like, whether it's sufficient or whether there's too much for that. Let's talk about these pamphlets. And backwards, I'll tell them what it says because it's a long verse. Okay. It says, see the whirlwind to shift this devil out. Think. Okay. Alors, il vous le dit la phrase en entier parce que c'est une phrase où il y a tellement de mots, on va le dire de l'avance parce qu'il y a beaucoup de mots. Alors, c'est particulier, donc c'est pas deux mots, là, il y a toute une phrase. Le client dit, je vois le tourbillon, le vent tourbillonnant qui chasse le démon, qui chasse le démon. Donc en fait, la réponse à sa question, c'est qu'il parlait donc de faire des catalogues. Et les catalogues, à l'envers, quand on passe le message à l'envers, il dira à l'envers, donc, je vois le vent tourbillonnant qui chasse le démon en moi. So here it is. See the whirlwind to shift this devil out. C'est ce que vous allez entendre. It's very quick. C'est rapide. Can you hear that? Vous avez entendu ça? Oui. So what I would do is with this person is place him in a hypnotic trance. Donc ce qu'il fait, à un moment donné, quand il entend ça, il l'hypnose. I would have to... Oui, j'en perds mon français. L'hypnotise. And I would have him see an image of a devil. Et je lui demande de se représenter une image d'un diable, d'un démon. And then I would have him see a whirlwind. Et donc, je lui demande de visualiser donc ce vent tourbillonnant. And taking the devil et visualiser donc ce tourbillon, prendre le démon avec lui et le chasser avec lui. So the reversals give me the answers in metaphor. Donc, le message à l'envers lui donne des réponses en métaphore. And I use the metaphor to change the pattern. Et il utilise donc ces métaphores pour changer des concepts. Okay. All right, we'll play another example. Il va vous passer un autre exemple. I'm sorry, they're all in English. Désolé que ce soit en anglais, moi je suis désolé de parler en français. J'ai d'autres exemples en français, mais qui ne sont pas liés à la thérapie. Est-ce que vous voulez peut-être entendre d'autres exemples en français ou vous comprenez assez comme ça, ça vous suffit? Ça vous suffit? Okay. This is a woman whose husband had just died. Donc là, c'est une femme dont son mari vient juste de décéder. And she was feeling very depressed and very sad. Et elle se sentait très dépressive et très triste. And so she's talking about this forward. Et donc, c'est ce qu'on entend à l'endroit. Well, to separate the two, and the reverse speech is meaning will help me to live again. Yeah. Leave the girl. Yes. Yeah, girl is a carefree spirit. Yeah, that's right. Innocent. Yeah. So she says, reverse speech will help me to live again. Okay.
Donc elle dit à un moment donné, parce que la conscience de la thérapie, elle dit bon, le langage inversé va me permettre de vivre à nouveau. Back when she says, you must warm me in the ship. Et à l'envers, elle dit.